Franchement, Margot, mais c'était énorme. Attends, énorme. Accrochez-vous, les amis, parce que là, ça va être Jess. C'était apparemment une panne de micro. Mais moi, je pense plutôt pour une panne de Jess. Hein. Non, mais c'est bon, j'abandonne, là. Tu vas pouvoir y retourner. Hein. Non, c'est bon, c'est pas la peine, là, j'y retourne plus. Oh, mais c'est rien pour toi, ça, les rattrapages, t'es habitué. Comme le jury qui passe son temps à devoir te sauver la mise. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas? Non, non, là, je m'en vais, là. Bah, et Jess? Mais elle a mal dit que ça devrait lui suffire, non? Mais de quoi tu parles? Bah, ils sont ensemble, non? J'espère que tu vas tenir ta promesse et que tu vas soutenir Margot. Mais oui, t'inquiète pas, j'ai qu'une parole. C'est tout ce que je voulais savoir. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon... Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux.
Je mens. Qui me vend l'être toi qui me tends mes histoires inconstantes et mes airs de battant. Je mens. Je mens. Je mens. Qui me vend l'être toi qui me tends mes histoires inconstantes et mes airs de battant. Je mens. Je mens. Génial! Enfin, tu l'as fait! Non, mais alors là, chérie, alors là, la Mylène Farmer peut retourner dans son tombeau. Hein. Jess, Jess, Jess! T'étais la meilleure! J'étais dans le public, ils étaient tous complètement fous, je suis trop fière de toi. Je suis sûre que tu vas gagner. Merci, c'est grâce à vous. Ah non, non, c'est grâce à toi. Jess, tu étais super. Oh, merci, trop ouais, bien. Vraiment. Stop, à trop près! Non, je rigole. Ah, ça va, la prime melon, l'Andrea. Bravo, merci. Merci. Je suis trop fière. Pour l'éjecter, cette minable. Mais, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, ok? Moi, j'ai failli perdre ma place pour toi. T'es une merde. Pardon? Non, pardon, t'es nul à chier. Tu peux répéter ça, là? Oh, c'est bon, excuse-moi, je suis énervée, c'est tout, ça se voit pas. Ouais, bah pas la peine de t'en prendre à moi, ok? Attends, y'a quand même bien moyen pour l'exterminer, cette poufiasse, merde! Bah si c'est si facile, fais-toi plaisir, vas-y. Mais hé, hey, Cécile, qu'est-ce qui t'arrive, là? Avant, t'avais des stratégies d'enfer, et là, y'a plus personne. Tu vieillis ou quoi? J'ai jamais dit que j'avais dit mon dernier mot. Ouf, je te retrouve. Ouais, ben, t'attends pas des miracles non plus, hein, parce que cette fille-là, elle a l'air d'avoir une bonne étoile. Mais débrouille-toi pour la rendre filante, son étoile. C'est bon, hein. Soul. Ouais. Aïe, 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 mais quelle performance! Elle nous a bluffé, hein. J'en étais sûre. Quelle émotion! Ah, ben, n'en faites pas trop non plus, non? Et vous oubliez qu'elle a failli craquer. Non, je suis sûr que cette fille va se vautrer en plein direct. Ah non, non, moi je trouve que, effectivement, il y a une tendresse, une émotion, un charme. Ah non, elle a une présence en plus, non. Moi j'ai adoré, hein, personnellement, j'ai vraiment adoré. Oui, mais enfin, cela dit, c'est vrai que par rapport à Margot, elle a quand même un peu moins d'assurance. Et puis, la chanson originale est beaucoup moins efficace. Oui, c'est loin d'être du grand Stephen Brown. Il a dû expédier ça pour se faire du fric, quoi. Non, mais attendez, c'est pas uniquement la chanson qu'on juge, là. Si, quand même un peu. Ah. C'est le thème de cette épreuve. Oui, mais si elle arrivait à faire ça avec une chanson moyen, imagine ce qu'elle pourrait faire avec une bonne chanson. Ça serait exceptionnel. Bon, on reparlera de ça tout à l'heure. On a d'autres candidats à écouter. Chris, ils sont prêts en coulisses? Je vais te dire ça d'ici deux secondes. Ouais, Cécile, vous êtes prêts derrière? Oui, c'est à Lolita de passer. Vous me donnez le top? Bon boulot, Raphaël. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Oups. Ça, je te l'avais dit, hein. Je suis bon en tout. Prétentieux. Non, je rigole. En même temps, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je vais au bout des choses. Ça, j'ai vu. Ouais, c'est parce que j'étais super bien épaulé aussi. Tu rigoles, tu t'es occupé de tout, j'ai rien fait. Ah si, 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 t'étais près de moi. Ça, c'est important. Bon, écoute, ça mérite bien un verre, non? Ah non, moi, j'envisageais un autre truc, tu vois. Ah ouais? Bah attends, j'ai pas bossé pour juste avoir un jus de fruits, non? Mm-hmm. On va laisser tomber la boisson? Je parlais d'autre chose. Ouais. Ouais. T'as une idée? Parce que moi j'ai une idée. Ah ouais? Mmh. Bah vas-y, ça m'intéresse, dis-moi. Ça me coûte, hein. Ah ouais. Ça me coûte de faire ça. Mmh. Ouais. Ça c'est bien. Thank you.
Oh là là, j'aime bien sa voix, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Ouais, super voix, mais elle a pas d'univers. Elle a pas sa place en finale. Vous êtes quand même un peu féroce, Chris, hein? Le show avant tout, mon cher Pierre. Ouais. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien quand même. Bon, c'est pas extraordinaire, mais il y a quelque chose, hein? Oui, mais c'est une compétition. Il n'y a qu'un seul gagnant. C'est vrai. Hop, hop, hop. C'est quoi, ça? Ça, c'est de l'eau. C'est pour les candidats. Il faut jamais ça. C'est une demande à la production. Depuis quand la fontaine, elle est vide? Toi, tu commences à me gonfler, hein? Tu dégages. Bon, écoutez, je veux plus te... écoutez, c'est important. Je veux plus te voir ici. Je veux plus te voir ici. C'est important. C'est important. Moi, je dois voir Beyoncé. On fait pas ce qu'on veut dans la vie, mon pote. OK? Alors, tu dégages maintenant. Et je veux plus te voir dans le coin, t'as compris? Andra, est-ce que tu peux me prendre des photos avec Jess, s'il te plaît? T'es d'accord, Jess? Oui, bien sûr. Super. Tu m'en prends plein, OK? OK. Super. Comment ça marche, ta affaire? Attends. Là et là. Ah. Bon, allez, faites l'amour à l'appareil. Au fait, il est où, Lucas? J'en sais rien. Depuis qu'il s'est fait virer par la sécu, je l'ai pas revu. Bah attends, je suis sûre, je l'ai vu dans le public tout à l'heure. Ah bon, il était là? Oui. T'es tellement vénère, j'étais sûre qu'il était rentré. Ah, mais il est resté pour toi, en fait. Mais non, pour le show. Ou pour toi. Bon, on va pas faire un shooting non plus, hein. Il y en a une dizaine, ça devrait aller. Merci, c'est cool. De rien. Salut. Non mais regardez la spavanée, l'autre, mais pour qui elle se prend? Mais qu'est-ce que t'en as à faire? T'es 100 fois mieux qu'elle. Mais grave, c'était de la merde sa chanson de toute façon. Mmh. Ah ça tu l'as dit, mélodie pourrie, aucun sens. Ah sur ce coup-là, le Stéphane Brown, il s'est bien loupé, hein. Ah non mais tu vas gagner, c'est obligé. Ouais, enfin si le jury a les oreilles bouchées comme l'autre fois. Attends, attends, t'as quand même Chris et de la cour dans ton camp, n'oublie pas. Mmh. Mais Amanda et Marie me détestent. Et elles ont beaucoup plus de poids que Chris. Mais Margot, arrête de te poser toutes ces questions là, ok? Ça va aller, c'est bon, t'inquiète. Mmh, c'est clair, ta prestation a fait chuter tout le monde par terre. Donc t'inquiète pas, c'est gagné. Ouais, bah y a intérêt, tu vois. Parce que si j'arrive pas première cette fois-ci, je vous jure que je tape un scandale. On t'aime comme t'es comme ça, Margot. Jess, je suis désolé, j'étais pas là à ta sortie de scène. J'étais en interview, mais j'ai tout entendu et franchement, c'était génial. Vraiment sublime. Merci. Voilà, je pense que ça mérite bien un bisou. C'est plus qu'un bisou, là. Eh ben, ça va. Sérieusement, pour la troisième place, moi, je suis pour Malik. Il n'y a pas de comparaison avec Mika. Ah ben, il y a ma photo, il bouge deux fois mieux. Oui, puis il est très carré, très pro. Moi, j'aime bien. Hein. Hein? Marie, la voix? Ouais, j'ai rien à dire. Je suis d'accord avec vous. Bon, on est tous d'accord. Oui. Yep. Maintenant, le plus dur. Entre Jess et Margot. Oh, c'est difficile. Ouais. Moi, mon choix est déjà fait. Hein. Margot. On peut revoir? OK, faisons ça. Quelle perte de temps. C'est pas un perte de temps, Chris. Il s'agit de deux jeunes filles, leur carrière, s'il te plaît. D'accord. OK. Commence avec Margot. OK. All right. Bah ouais, c'est évident. Présence scénique, ouais. Écoute ta voix, là, Marie. Écoute. Ah. Ensuite, Jess. Je m'embrouille la nuit. Ouais, elle me touche. Il y a une émotion. C'est bon, c'est suffisant, Marie, là. Non? Ouais. Ouais. Bon, je reconnais que Margot, sa chanson est meilleure, c'est sûr. Merci. Mais ma choix reste sur Jess. Pour la première place de demi-finale. Et vous, Pierre? Oh, c'est un vrai casse-tête, hein. C'est compliqué. J'hésite encore. On vous en est où avec le vote parce que le public s'impatiente? Bon, on n'a plus le temps de tergiverser là, il faut passer au vote. Entendu. On arrive.
Alors, l'aventure va s'arrêter pour certains d'entre vous aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Vous avez été formidables. Et surtout, continuez à travailler. C'est ça le secret de la réussite. Bon, voici le nom des trois finalistes. À toi, Marie. OK, on va commencer par le troisième, hein? Le troisième place, c'est Malik! Félicitations. Tu l'as mérité. Bravo, mon chéri! Eh bien, maintenant, la deuxième place. Nous avons... Attends, Chris. Je tiens à dire que nous avons beaucoup hésité entre les deux candidates en question. Elles ont toutes les deux un talent fou. Et c'est vraiment la chanson originale qui a fait toute la différence. D'accord? Allez-y. Et à la deuxième place, nous avons... Jess! Mais attends, Margot, je n'ai pas encore annoncé la première place. Et le numéro un est... Pierre, à vous l'honneur. Merci. Numéro un, donc, il s'agit de Margot. Deuxième, c'est génial, Jess. Ouais, grave, franchement, c'est très très bien. C'est pas possible, Jess, elle était mille fois meilleure. Non mais Margot, elle était bien quand même. Pas autant que toi, chérie. Mais bon, t'as une place en finale. C'est pas beau, ça? Bah oui, j'ai encore une chance de gagner. C'est pas juste, je suis désolée, en plus, c'est même pas sa chanson. Non mais ça va. Je suis dégoûtée. Écoute, Flore, elle est quand même en finale, c'est pas rien. Elle peut peut-être gagner. Et c'est que le commencement, chérie. Alors ça y est, tu savoures enfin ta victoire. À moitié. Je n'ai pas encore tout à fait remporté la partie. Je mise beaucoup plus haut. Gagner la finale. Plus haut, plus haut. Ça me rappelle une chanson, ça. Oh. Parti comme t'es parti, c'est plus qu'une formalité, ma chérie. Ah, mais moi, j'ai aucune crainte, hein. Tu vas tous les bouffer. Ah là là, je me régale déjà. Rien qu'à voir la tête de la Jess et sa basse-cour. C'est délicieux. On va la voir, cette bouffonne. Ouais. Et ce n'est que le début. Je lui ai promis. Je l'exterminerai. Oh, et oh, tu vas un peu fort, là. Bah quoi? C'est un mot de vainqueur, ça. Exterminer. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Courir les rues, me mettre à nu en plein jour. Au dépourvu de l'imprévu en amour. J'avoue, je veux tout. Ah non, pas ça. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est pas la première fois que tu as des couches. Mais là, j'arrive même pas à le joindre. Bonjour, madame Darmon. C'est au sujet de votre fils. Il est en accident, c'est ça? Je la sens bizarre quand même. Hein. Non, mais sérieux, t'as pas vu comment elle te regarde? Si elle pouvait te tuer, elle le ferait tout de suite. C'est pour elle? Mais je serais toi, je me méfierais quand même. Hein. Elle est louche, cette meuf. Dis donc, en fait, Cécile était avec toi hier soir? Oui, bien sûr. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc qui cloche avec elle. Je me méfie d'elle. J'ai vu que vous appréciez énormément Jess. Pourtant, vous avez voté Margot. Pourquoi? Comme Chris, j'ai trouvé sa chanson meilleure. Ah oui? C'est tout? Que voulez-vous qu'il y ait d'autre? Madame Pontier, par exemple. Elle est où, Margot? Devine. Il va falloir qu'elle trouve une autre chanson pour la finale. D'accord, mais où? Alors ça... T'oublies pas qu'on doit l'inviter à déjeuner, hein? Ah oui, c'est vrai, bah, je lui dirai. Demain, c'est possible? Salut les filles, c'est la cata, là. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Et mon père veut absolument que je déjeune avec lui et Jess. En effet, c'est la cata.